Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de beauté. Aujourd'hui, nous allons voir comment réduire le nombre de menus affichés sur la gauche dans le back-office ou le nombre de menus affichés dans la liste déroulante côté front. Voilà, il y a certainement des menus que vous n'utilisez pas ou peu. Et pour faciliter la navigation côté back-office ou front, vous pouvez vouloir les réduire. Vous n'affichez que ceux qui vous intéressent vraiment. Pour cela, en cliquant sur son compte côté back-office, vous avez dans l'onglet des préférences la liste des menus qui sont affichés. Et vous pouvez choisir ceux qui sont visibles ou pas. Par exemple, si vous n'utilisez pas la fonctionnalité des territoires ou le calendrier OPDS, les fils RSS par exemple. On va en prendre un par exemple comme les notices liées qui se trouvent ici. Voilà. Donc je peux décocher les menus où je ne me sers pas, où je n'ai pas envie de voir apparaître. La même manière côté front office par exemple, ces menus-là, explorateur de fichiers, domaine, voilà, je peux vouloir les désactiver. Et quand je valide, voilà, et donc ces menus là donc qui étaient par exemple catalogue PDS n'apparaît plus dans le menu. De même par exemple les menus domaine, explorateur de fichiers, niveau expert, lorsque je recharge la page là n'apparaîtront plus dans ce menu déroulant. Alors, si vous êtes administrateur, vous pouvez aussi régler les menus visibles pour, par exemple, les rédacteurs. Par exemple, imaginons là, on a un rédacteur. Je vais coder un rédacteur. Voilà. Donc, imaginons que pour ce rédacteur-là, qui vient d'entrer à la médiathèque, on veut lui simplifier son menu parce que il est en cours de formation. Et par exemple, on ne veut pas qu'il ait le contrôle des URL ou ce menu sur les avis. À ce moment-là, dans les utilisateurs, voilà. Donc j'ai mon rédacteur qui est ici. Donc je peux aller le modifier et modifier ses préférences, évidemment. Et du coup désactiver un certain nombre de menus. Voilà, par exemple, je laisse que les articles, explorateurs et parcours des codifications. Et automatiquement, le rédacteur aura son menu à gauche simplifié. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. À bientôt pour une prochaine démonstration Bokeh.